2020, j'allais dire 1945, journée de fête nationale en commémoration de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, 8 mai 1945. Bienvenue à toutes et à tous dans le studio 3S Sportif, Social et Solidaire, où nous abordons, je crois, la 36e ou 37e séance de sport à faire à la maison. Bougez chez vous, en famille aujourd'hui peut-être. J'espère que tout le monde va bien pour cette séance de sport à dominante gainage. Et nous allons commencer par prendre les pulsations au repos. Donc vous êtes tous au repos, moi aussi. Donc vous prenez vos pulsations soit au poignet, soit au niveau de la carotide, ici, au niveau cervical, sur le côté. Voilà. À vous de bien sentir les pulsations. Je vais mettre le chrono sur 20 secondes. Vous aurez multiplié par 3 votre fréquence cardiaque au repos. Attention, ça va démarrer dans 10 secondes. Je vous rappelle que nous sommes sous contrôle médical et paramédical, c'est pour ça qu'on suscite l'intérêt pour les prises de pulsation. Voilà, c'est parti. Pendant 20 secondes, vous aurez à multiplier par 3 pour trouver votre fréquence cardiaque au repos. Stop. Donc vous multipliez le chiffre que vous avez trouvé par 3 et vous aurez votre fréquence cardiaque au repos. Ensuite, nous allons passer au test de Ruffier-Dixon, 45 secondes avec 30 flexions complètes. Ça va s'enchaîner tout de suite. Voilà, attention, ça va être à vous. Donc vous allez réaliser 30 flexions en 45 secondes. Ici au signal. Tip 1, go. Allez, c'est parti. On suit le petit bonhomme qui s'affiche ici à l'écran. Et on est parti pour 30 flexions en 45 secondes. Et ensuite, vous reprendrez vos pulsations au repos au bout de 1 minute. Je l'ai fait avec vous. Alors, le petit bonhomme, il y a 2 petits bonhommes ici au studio aujourd'hui. Un à l'écran et un réel. Allez, on descend bien. Stop. On arrête là. Je lance le chrono sur 1 minute. Et nous allons ensuite repartir sur la prise de pulsation. 3. Sur 20 secondes. Voilà, on est bientôt reparti. Il reste encore 30 secondes de récupération et vous reprendrez à nouveau vos pulsations après les 30 flexions. Ce qui s'appelle le test de Ruffier-Dixon, c'est une base cardiovasculaire pour tester la récupération de chacun. Voir un petit peu où on en est, même si on n'a pas forcément toujours besoin. Mais de temps en temps, il est important d'avoir des repères et c'est ce qui sert de repère. Encore 10 secondes. Allez, ça va être à vous. 1, go. On prend les pulsations, 20 secondes. On reste dessus. Et vous aurez à nouveau à multiplier par 3. Stop. Allez, vous multipliez par 3. Vous essayez de comparer par rapport aux résultats que vous aviez eu en tout début de programmation des séances à faire chez vous, ici avec le studio. Et ça vous permet de voir si vous avez une meilleure condition physique par rapport à ce que vous aviez au début. Je pense que oui, mais c'est toujours important de vérifier. Voilà, donc on va commencer à mobiliser un petit peu le corps avec une chaise si vous en avez une. Voilà. Alors, c'est normal que vous entendiez mieux le son quand je suis proche
de l'écran que lorsque je suis ici. Donc je vais essayer d'élever un petit peu plus la voix pour que vous entendiez. On va commencer par des étirements très simples, debout avec une chaise ou un support, hein, tout simplement face à cet appui-là, et on va se positionner doucement vers le bas en étirant la partie postérieure des membres. Je répète toujours les mêmes explications. Alors c'est peut-être un petit peu rébarbatif pour certaines et pour certains, mais il est important pour les nouveaux qui arrivent sur ces séances de bien comprendre les exercices. Donc je le répète, ça fait une révision en même temps pour vous, mais voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes explications. On va ensuite fléchir la jambe avant, ici toujours descendre en fente, on laisse aller le corps vers l'avant, on se met un appui ici tranquillement, on maintient la position quelques secondes juste pour déverrouiller ici le bassin avec le psoas iliaque, et on va ensuite retendre la jambe et se mettre ici sur le côté. Voilà, j'ai entendu, et on vient ici avec une inspiration et une expiration descendre légèrement, latéralement, sur la jambe tendue. Je suis au maximum, mais par contre, si vous voulez descendre davantage, n'hésitez pas. Voilà. On relâche à nouveau, et maintenant, on va tourner le dos au dossier de la chaise, et on va venir ici doucement descendre vers le bas. Voilà, on est toujours en fente avant, mais avec un appui ici derrière. Pour les plus souples, vous pouvez descendre et poser le genou comme ça. Voilà, et là on a un bel étirement de toute la partie antérieure, la chaîne musculaire antérieure avec quadriceps, psoas iliaque, crâne droit, et puis un petit peu le haut, ou un peu évidemment aussi prolonger cet étirement jusqu'à la chaîne musculaire qui va jusqu'au bout des doigts. On relâche à nouveau. On va ensuite partir sur l'autre jambe avec le premier étirement ici vers l'avant, jambe tendue, si possible dos plat. Pas besoin de descendre jusqu'à la cheville. Il suffit simplement d'aller chercher l'espace vers l'avant et ensuite vers le bas. On ne se recroqueville pas sur soi-même, on va vers l'avant, voilà, pour gagner un petit peu l'amplitude articulaire avant de démarrer la séance gainage statique dynamique, statodynamique, avec tout ce qui est tous les petits exercices complémentaires. Voilà, on fléchit ensuite la fameuse jambe d'appui et on vient descendre doucement, nouveau en fente avant. Voilà, on peut déverrouiller un petit peu sur le côté pour celles et ceux qui ont l'habitude. Voilà. C'est doucement, à froid évidemment. Et on relâche à nouveau, on va accentuer à nouveau ce fameux étirement avec la fameuse fente avant, pied opposé cette fois-ci. Voilà, on descend doucement. Voilà, en inspirant et en expirant. Donc ça permet de renforcer en même temps la jambe d'appui. Et pour les plus souples, vous pouvez poser le genou au sol. On relâche à nouveau, on va passer de l'autre côté. Je l'ai fait dans le désordre pour ne pas mobiliser trop souvent la chaise. Là, on vient, jambe tendue, le pied sur l'assise, tendu ici, avec une grande inspiration et une expiration lorsqu'on descend ici sur le côté. Voilà. Et on relâche à nouveau. On va garder encore un petit peu la chaise pour bien étirer les chaînes postérieures, mais en particulier au niveau du dos et des lombaires, parce qu'on a tous des petites tensions au niveau lombaire à force de peut-être rester assis ou avoir beaucoup de sédentarité dans ces moments de confinement. Donc on va tout simplement descendre avec les mains en appui sur l'assise de la chaise et puis fléchir les bras comme vous savez très bien le faire maintenant. On inspire à nouveau, on se redresse et on essaie de descendre un petit peu plus. On fléchit, on s'accroupit, on replace le dos, on se redresse, on va chercher la petite serviette et maintenant on va travailler au niveau des épaules. Donc on va
descendre doucement vers le bas, ouvrir les épaules vers le haut et se laisser aller sur la gravité du poids du corps vers le sol. En inspirant profondément et en soufflant profondément. Voilà, en gardant la position. Et on relâche à nouveau. Je vous rappelle que ce ne sont pas vraiment des étirements, c'est juste redonner de l'amplitude articulaire. Là, vous allez travailler sur chaque épaule maintenant. Une fois l'épaule gauche, ici, on met la main au-dessus du dossier. On descend doucement et on regarde du l'avant-bras tranquillement, lire le journal, regarder la télé. Ça permet de se détendre et se relâcher, se préparer à l'effort, évidemment. Voilà, une fois que vous êtes paré sur le bras gauche, vous passez au bras droit, ici. Même chose, on descend, on peut même prendre l'appui au sol. Grosse inspiration, on souffle bien. Et on relâche à nouveau. Alors, je replace ma chaise au bon endroit. Pour donner de l'espace pour travailler, évidemment. Bon, aujourd'hui, j'ai pris le défibrillateur, on ne sait jamais. Bon, je suis peut-être un petit peu fatigué au bout des 37e séances de sport au studio 3S. Donc voilà, on ne sait jamais, le défibrillateur. Alors c'est juste un signe et une recommandation pour dire, voilà, c'est un appareil qui est très important dans les entreprises, dans les collectivités. Et il est toujours intéressant d'en avoir. Hein. C'est pour ça que nous sommes équipés aussi d'un défibrillateur. Voilà, pratique et performant. Je vais replacer voilà, le tapis. On va commencer à mobiliser tout simplement les bras. On va monter un bras vers l'arrière, un deuxième bras vers l'arrière à nouveau. Et on commence à tourner les épaules ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va maintenant s'occuper du bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va ouvrir les deux bras en même temps avec une belle inspiration pour avoir une belle posture sur cet exercice-là. Allez, 1, 2, vous pouvez monter sur la pointe des pieds. C'est très agréable de monter sur la pointe des pieds. Ça permet de travailler en même temps la proprioception. 4, vous voyez que ça chauffe au niveau des épaules. 5, on regarde le plafond. 6, 7, une inspiration à chaque fois qu'on monte. 8, 9 et 10. Alors maintenant, on va faire le petit exercice, le fameux exercice que vous verrez non plus nulle part ailleurs que dans le studio 3S. On va se mettre sur une jambe comme les... je crois que c'est les canards ou les grues qui dorment, les poules. J'ai déjà vu des poules dormir sur une jambe. Donc on se met sur une jambe. Par contre, on va commencer à tourner la tête en cercle ici, dans cette position. Et vous allez pouvoir tester votre capacité à rester en équilibre et à contrôler cet équilibre sur une jambe. Les yeux ouverts, on tourne la tête. Et on essaye de gagner un petit peu l'amplitude. On relâche. Vous voyez que ça travaille au niveau des chevilles et qui chaque fois retrouve la stabilité ou pas. Donc c'est à vous de rester le plus longtemps possible à l'équilibre. On passe à la deuxième jambe maintenant. Ça c'est du gainage. On commence à être sur la thématique de la séance. Donc on change de jambe et hop, on tourne la tête en regardant les yeux ouverts. Sur toutes les trajectoires du regard, tout en gardant l'équilibre au niveau des appuis. Je parle lentement pour rester bien concentré et ne pas poser le pied au sol. Et on relâche. Vous voyez que c'est pas facile. Faites-le régulièrement, ça vous donnera des repères et ça va vous permettre de progresser sur votre équilibre proprioception sur les deux jambes, évidemment. Alors là, pour le coup, ça devient hyper facile,
mais aussi sur une jambe avec une disponibilité du regard et de la posture, évident. On va passer ensuite sur une mobilité latérale, à droite et à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mobilité de la jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on reste statique, on va balancer la jambe sur le côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me suis rappelé tout d'un coup que j'avais été entraîneur de l'équipe de France de patinage artistique et donc il était important pour moi d'avoir la bonne posture sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va faire un petit travail de montée de rythme avec des appuis écart serré avant-arrière. Ça se passe comme ça. Là, 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 là. Et vous essayez d'accompagner avec les bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. On va commencer maintenant la partie gainage. Donc il y aura 4 phases exactement, avec une phase statique, une phase dynamique hanche, une phase dynamique jambe et une dernière phase combinée bras et jambes, avec un des exercices qu'on a fait lundi, qui est un exercice de rétablissement au sol qui vient du judo, évidemment, mais qui est hyper intéressant en termes de posture, d'agilité et de disponibilité. Donc on démarre sur tout simplement la fameuse chaise. Si vous avez toujours votre chaise chez vous, vous allez descendre les fesses en arrière ici en effleurant légèrement le dossier, l'assise, pardon, de la chaise. Donc je ne vais pas m'en priver, elle est là. Voilà, donc on va descendre ici, je ne vais pas mettre le chrono pour l'instant. On va faire toujours un premier tour libre. Et ensuite, on va évidemment appeler Sophie, Lucie, pardon, c'est Lucie aujourd'hui, pour le chrono. On descend, on effleure à peine l'assise, on ne touche pas, on ne s'appuie pas dessus. Et c'est parti, c'est à vous. Allez, on reste sur la position, tout en arrière, presque en déséquilibre. On est sur les talons, voilà, et on gagne bien les quadriceps. Là, voilà, j'effleure la chaise, je la sens à peine, mais ça me permet d'avoir un repère sur cette position. Alors si vous avez un prieuré, c'est beaucoup plus bas, et donc c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, c'est à vous de déterminer la hauteur exacte à laquelle vous voulez travailler. On relâche. Voilà, je repositionne ma chaise sur le côté. Maintenant, on va se mettre face au sol. De toute façon, comme d'habitude, au niveau statique, je vais utiliser mon petit tapis à la place de la serviette aujourd'hui, comme c'est le 8 mai 2020, fête nationale, bleu, blanc, rouge, on se met dessus. Position de planche, bien gainée au niveau du bassin, on serre les fesses et on garde la position. C'est parti, c'est à vous. Au début, c'est un petit peu long, mais vous verrez, ça va monter en puissance au fur et à mesure des exercices. Alors c'est pas marrant le gainage, mais quand on y inclut des exercices sympas, là on est à peu près sur 30 secondes de travail. On relâche. Maintenant on va passer sur le côté. Je sais que c'est pas facile pour certains et certaines, donc vous avez plusieurs possibilités, soit les genoux fléchis ici, soit lorsqu'on aura des montées de jambes sur le côté, vous pourrez vous mettre en position latérale, complètement au sol, ou en position tendue, ici. Attention, ça va être à vous. 3, 2, 1, allez, on se met en position, on serre les fessiers, c'est ce qui permet de maintenir cette fameuse position rectiligne. On ne s'écrase pas sur l'épaule, au contraire, on repousse le sol avec l'épaule. Donc, ce n'est pas uniquement
Je me laisse aller au niveau du haut pour maintenir le milieu en V. On va travailler toutes les parties du corps et on relâche. Et cette fois-ci, on passe de l'autre côté ici. Voilà, pareil. Jambes fléchies ou tendues. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est à vous. Ça dure que 20 secondes sur le côté parce que c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas une position habituelle. Mais c'est très intéressant pour tout ce qui est fixateur des hanches, du bassin. Et puis évidemment, le fémur dans l'articulation. Alors, je ne sais pas si j'explique bien. Professeur Vercier, si vous êtes là, n'hésitez pas à préciser les propos du coach qui a oublié ses leçons d'anatomie. On relâche à nouveau. Maintenant, on va se mettre sur le dos. Voilà, ça fait du bien au dos. En même temps, ça permet de changer. Toujours pareil, les deux genoux alignés, une jambe tendue, une jambe fléchie. Si c'est trop dur, bah, on fléchit encore plus la jambe. Si c'est pas trop dur, bah, on détend la jambe ici. Toujours talon au sol et pas pied au sol. On y va, c'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on essaye d'aligner les épaules, le bassin, les genoux avec cette fameuse jambe tendue. Et vous voyez que le dos travaille, les fessiers travaillent, surtout du côté de la jambe fléchie. Et aussi, évidemment, les ischio-jambiers, c'est toute cette masse musculaire sur la jambe gauche, pour le coup, en ce qui me concerne, qui travaille beaucoup. Encore 10 secondes. Il est important de bien régler la flexion de la jambe en fonction de vos capacités, évidemment. Et on relâche. Et on passe à la deuxième jambe. On remonte le bassin ici. Et on se met en alignement. C'est parti, c'est à vous. Alors sur le premier tour, c'est la partie ingrate du circuit gainage qui est un petit peu lassante. Et vous verrez qu'après ça va être beaucoup plus dynamique, notamment sur le quatrième bloc. Et on relâche à nouveau. On a fait le premier tour à dominante statique. Maintenant on va commencer à dynamiser tous ces exercices avec, dans un premier temps, la position debout en fente. Ici, les mains dans le dos, et là on va gainer cette posture, position avant, la jambe bien avant, on n'est pas ici, on est vraiment en fente avant, là avec le poids du corps à 60% sur la jambe avant, et ensuite on garde la position, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti, on reste dans cette position, gainée, fente avant, fléchie, et on essaye de méditer un petit peu sur nos projets à la sortie du confinement, sachant que c'est pas instantané, ce sera progressif, donc il est important de se préparer à ça aussi. C'est pas le 11 mai, je fais ce que je veux. Ça sera progressif et important de le faire comme ça. Encore 10 secondes, vous voyez que ça commence à travailler aussi. 2, 1, on relâche, on passe à la deuxième jambe, on se met en position, fente avant à nouveau, et on se gaine au niveau des jambes et du bassin. 3, 2, 1, c'est parti, c'est à vous. Il y a un stretching intéressant aussi. Il y a ce fameux travail au niveau des quadriceps qui est hyper important. Et vous pouvez aussi travailler les fessiers dans cette position. Gainer les fessiers, ça va vous maintenir un peu plus le bassin au passage. 10 secondes encore. Allez. Et on relâche. On va passer la position au sol. Je vais utiliser ce tapis aujourd'hui, tiens, ça va permettre de changer un peu, ça va tout changer en fait. Je vais être un petit peu perdu. On va travailler sur les hanches. D'accord? Donc tout ce qui est hanches de face dans l'axe, ça va donner ceci ici. Voilà, corps tendu comme tout à l'heure, sauf qu'on va remonter ici, repartir sur la position et redescendre à chaque fois. Sans creuser le dos, on ne descend pas plus bas que l'alignement épaules, hanches et chevilles. C'est à vous.
2. On y va doucement, tout en contrôle. 3. 4. 5. Vous voyez que ça gagne au niveau des abdos. 6. 7. 8. 9. 10. Alors, il y en a sûrement qui se disent, mais à quoi ça sert les... Le gainage, ça sert à rien. Ben si, c'est très important, y compris dans le sport de haut niveau, parce que ça permet de travailler tous ces muscles fixateurs des articulations. Donc s'il vous plaît, même si vous êtes sportif de haut niveau, faites du gainage. C'est hyper important, ça évite les blessures en même temps. On va se mettre sur le côté. Voilà, et là on va faire la même chose, montée-descente. Si c'est trop difficile, ben c'est simple, vous fléchissez la jambe inférieure et vous faites la même chose. Voilà. Donc moi je vais le faire corps tendu. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5 et 6. On passe de l'autre côté. On fait toujours un petit peu moins sur la position latérale qui est beaucoup plus difficile. Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, je tourne le tapis, on va se mettre sur le dos, toujours talon au sol, ici, toujours talon au sol, voilà. Et là, on va monter et descendre le bassin, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, on monte le plus haut possible sans creuser le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et on change de jambe à nouveau et on repart tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et on relâche. On a fait le travail du deuxième bloc. Travail de hanche, maintenant on va faire un travail de jambes. On va se remettre en position debout. Mettez-vous en place, ça va démarrer tout de suite. Position fente avant, au lieu de rester statique, maintenant on va commencer à mobiliser la jambe vers l'avant et vers l'arrière. C'est parti, 3, 2, 1, c'est à vous. 1, 2, on descend bien. 3, on descend encore un peu plus. 4, 5, 6, fente complète, on va presque toucher l'autre genou au sol. 7, tout en contrôle. 8, 9 et 10, et on enchaîne de suite, on change de jambe. 1, 2, vous voyez qu'il y a un pied qui ne bouge pas, et le deuxième qui rejoint le premier. 4, 5, 6, on agrandit le pas. Allez, 7, on descend un peu plus bas. 8, 9 et 10. Et on se met maintenant sur la position face au sol, toujours sur les avant-bras. Voilà. Ici, et là, on va monter la jambe sans creuser le dos. Donc, rétroversion du bassin et montée de jambe. 3, 2, 1, c'est à vous. 2, 3, 4, on aligne bien le bassin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on vient sur le côté. Maintenant, rappelez-vous, vous vous mettez soit sur la position de l'otari en montant la jambe ici. Alors, je rigolais tout seul parce que je pensais à l'otari avec l'exercice qui allait arriver. Donc, soit vous vous mettez ici sur le genou fléchi et le coude et montée de jambe. Soit vous vous mettez sur la position corps tendu et montée de jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous rappelle, vous avez 3 possibilités. Facile, un peu moins facile et un peu plus dur. En position, c'est parti. 1, 2, 3. On gagne bien les fesses à l'arrivée. 4, 5. On gagne les fesses. 6, 7, 8, 9 et 10. On se met directement sur le dos. Maintenant, on ne perd pas de temps. Là, toujours jambe tendue, une jambe fléchie, plus ou moins fléchie, plus ou moins facile. Et là, on va monter le bassin aligné, épaule, bassin, genou. Et on va monter, descendre la jambe. Rappelez-vous, la cheville est flex, c'est-à-dire qu'elle est pointe des pieds vers moi pour faire le stretching à l'arrivée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout en contrôle, on change, c'est parti. Allez, 1, on va effleurer le sol. 2, 3, 4, montez bien le bassin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a fait le troisième bloc. Maintenant, on va passer au quatrième bloc avec des exercices combinés. Flexion, gainage, statique, dynamique. Il y aura le superman, il y aura les coudes. Il y aura le fameux rétablissement au sol que vous connaissez pour ceux qui étaient là lundi. Et oui, vous allez souffrir le 8 mai, c'est normal, journée de fête nationale, il faut souffrir un petit peu. Alors, on va démarrer sur le premier exercice avec une flexion de jambe ici. Voilà, c'est un exercice qu'on travaille régulièrement. Donc, on se met, si possible, avec la jambe supérieure horizontale, là. On gagne bien les fessiers. Et là, on va faire des petites descentes. 2, 3, 4. 5, ça aussi c'est du gainage dynamique, mais c'est du gainage. 6, 7, 8, l'équilibre. 9 et 10, disponibilité, agilité, équilibre. Allez, on y va, change de jambe. Allez, corps tendu, jambe tendue. Allez, on va faire du patinage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, on ne pose pas la deuxième jambe, 9 et 10, ok, on relâche, on va passer au sol maintenant. Ça c'est un exercice que j'utilisais beaucoup pour les patineurs et les patineuses sur notamment la posture dans les mouvements de, les phases de glisse dans les programmes. On va passer ensuite au superman que vous connaissez aussi, donc soit à genoux ici, là, là, ou ici. Voilà, c'est un mouvement combiné mais qui fait partie du gainage où on va maintenir un petit peu la position. Là, on va rester du même côté. 2 jusqu'à 5. 3 4 et 5. On relâche, on passe de l'autre côté. Allez, 1. Pardon. Je touche le bureau. Voilà, 1 2 3. J'ai le tapis qui glisse. 4. Je retiens le tapis. Et 5. Ok. On relâche à nouveau. Alors, j'ai le tapis qui glissait en avant, donc j'étais obligé de le retenir. Ça me déséquilibre en même temps. Maintenant, on va passer sur la position latérale. À nouveau, on va travailler. Ici, rappelez-vous, coup de genou. Ici, allongé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Une jambe fléchie. Ici, c'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, toujours avec l'alignement ou alors corps tendu. Attention, c'est à vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez à chaque fois, soufflez à chaque fois sur chaque mouvement. C'est important, comme ça, ça permet de récupérer. Même chose de l'autre côté sur les trois positions possibles. Moi, je le fais corps tendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
2, pour combien de temps encore, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, allez, on maintient, 7, on serre les fesses à l'arrivée, 8, on serre les fesses à nouveau, 9, 9 et demi, et 10, ok. Alors, maintenant, on va passer sur le dos. Et là, je peux vous dire que ça va être encore une autre histoire. Rappelez-vous, la dernière fois, lundi, on avait un travail sur cette position. Ici, relevé de bassin. On passe la jambe à l'intérieur et on se retrouve de face. Ensuite, on va faire l'inverse pour repartir sur la position d'origine. Et on se remet à nouveau de dos. Là, cette fois-ci, on change de jambe. Montée de bassin, jambe en dessous et on maintient la position en gainage. On revient à nouveau sur le dos. On change de côté, jambe gauche, ici, position de gainage. Ok ? Donc après, c'est à vous d'aller à votre rythme. Tout le monde peut y arriver, y compris les enfants, évidemment, les seniors. Voilà, faites attention, gainez bien, travaillez bien la posture. Le signal, c'est le regard et la jambe qui passe en dessous. C'est ça qui est important. Donc on se met sur le dos, on fait un aller-retour comme l'entrecôte. On va l'appeler l'entrecôte cet exercice. Donc sur le dos et on revient de face et on se remet sur le dos. Sur le dos, on revient de face, on se met sur le dos. On y va ? Alors, position ici, pardon, sur le dos. Démarrage comme ça. On monte le bassin ici et là on va coller le coude et on se retrouve avec la jambe opposée en gainage ici. On revient sur la position d'origine. On change de jambe. 2. On revient sur le dos. On change de jambe. 3. Allez, c'est à vous. On se remet sur le dos. Changement de jambe. 4. On revient sur le dos. 5. Gainage. On reste. On revient sur le dos. On monte le bassin. 6. Gainage. On reste. On revient sur le dos. On monte le bassin. 7. Gainage. Sur le dos. Montée de bassin. Changement de jambe. 8. On reste dans la position. On revient sur le dos. Montée de bassin. 9. Gainage. On revient sur le dos. Dernier. Montée de bassin. On change de jambe. Et on reste sur le gainage. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, petite pause, petite gorgée, on se relâche, on se détend et on se prépare pour le deuxième tour. Alors sur ce dernier exercice, j'espère que tous les judokas arrivent à faire l'exercice parce que ça c'est la base du travail au sol. Après pour les autres, c'est à la portée de tout le monde, il suffit de comprendre l'enchaînement, la mobilité, la disponibilité du corps, c'est la jambe qui démarre. Pensez toujours que comme dans les exercices de gym, c'est la position de la tête et le regard qui guide le reste du corps. Donc si votre tête regarde à gauche, le corps va suivre et inversement. Donc tout part de là. Et après, bah, c'est à vous de vous organiser au niveau du reste du corps. Ok ? J'ai emmené mon casque de... Alors ça, c'est mon casque de compétition quand je faisais du superbike. Je l'ai amené ici pour faire un petit clin d'œil à Franck Guillermier. Vous connaissez tous et toutes Franck Guillermier, qui a organisé un petit truc là récemment. Je vous en reparlerai, donc merci beaucoup, merci pour votre attention, merci beaucoup Franck pour ce que tu as organisé. Franchement, je suis un petit peu gêné, puis c'était pas du tout l'objectif. Voilà, et puis Stéphanie aussi qui vous remercie. Voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà. Petit clin d'œil pour toi Franck, mon casque de course dans les années 90 que j'ai
mis en exposition. On fera une petite thématique, tiens, à chaque fois. Comme il y a plusieurs thématiques dans ma life, j'amènerai chaque fois un petit objet. On va repartir. Allez, on redémarre sur la position gainage de face. Je ne mets pas le chrono, je continue à compter. Allez, c'est parti, position de planche. 3, 2, 1, c'est à vous. Et là, ça dure 30 secondes. C'est pour ça que le temps de travail n'est pas tout à fait le même entre les différentes postures. Ce qui serait un petit peu aberrant vu les difficultés qu'il y a parfois sur notamment la position latérale qui est un peu plus compliquée. Si vous avez des difficultés en planche, il vous suffit juste de serrer les fesses et vous verrez que ça tient tout seul. C'est la grosse partie des muscles, la plus grosse partie musculaire du corps. Donc servez-vous-en, mesdames et messieurs. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche, on se met directement sur le côté. Ici, soit jambes fléchies, soit jambes tendues, c'est parti. Allez, on reste dans cette position 20 secondes. Et après, tout va s'enchaîner très vite. Secondes. 3, 2, 1, et on relâche. On passe de l'autre côté. Et on enchaîne de suite. C'est parti. Pareil, ce sont les fessiers qui permettent de maintenir cette position. L'objectif, c'est que si vous êtes en famille, votre enfant s'assoit sur vos hanches. Et si vous êtes entraîné, bah, ça doit tenir. Ne vous faites pas mal, évidemment. Mais l'objectif, c'est toujours de faire mieux, plus fort, plus vite, plus haut. Et plus en sécurité, plus en santé. Ça, c'est le plus important. 5 secondes. 2, 1, on relâche. De suite, on se met sur le dos. Allez, une jambe tendue, une jambe fléchie. On se met sur le talon et on maintient la position. C'est parti. 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite. Les mains ne sont pas au sol. Elles sont soit ici, soit vous faites ce que vous voulez. Vous parlez avec les mains. Si vous faites ça, c'est que je parle trop. Hein, donc, je comprendrai. Je crois que c'est ça. 10 secondes. On relâche, on passe à la deuxième jambe. Allez, on monte le bassin, on aligne tout ça, y compris les deux genoux, et c'est parti. 5, 3, 2, 1, on relâche. Ok, on va se mettre debout. Allez, tout de suite, on enchaîne. Position debout. Et là, on va se faire mettre en fente avant. Une belle fente bien, bien allongée. Et on maintient la position. 3, 2, 1, c'est parti. Là, ça commence à bien, bien travailler. Alors les séances de gainage, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais plus on en fait, plus on a la capacité et plus on est facile sur ces exercices et puis sur les autres exercices aussi, en particulier dimanche, lundi, mercredi, etc. 5 secondes, 3, 2, 1, on relâche et on passe directement à la deuxième jambe. Allez, position de fente, on maintient la position. Voilà, c'est le stretching arrière qui est un bout de course qui maintient aussi le bassin. Par contre, vos quadriceps vont être en béton armé. Pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous comprendrez tout de suite ce qu'est le béton armé. Et c'est l'objectif de tout un chacun. Il n'y a pas d'âge pour commencer à progresser physiquement. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Hop, passer au sol, je vais casser mon défibrillateur. Reste là avec moi, on ne sait jamais. On va se mettre face au sol. Jambe droite, jambe gauche, ici.
et on va monter la jambe. Position de gainage classique au départ et c'est parti pour la jambe. 1, 2, 3, sans creuser le dos. 4, 5, 6, 7, 8, vous pouvez vous arrêter à 6 ou 7, 9 et 10, on relâche. Si c'est trop dur, vous posez les genoux, vous tendez la jambe au fur et à mesure. On passe à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche à nouveau. On va passer sur le côté. On enchaîne directement avec, rappelez-vous, soit l'opposition de l'outari, mais vous risquez de vous endormir. Donc, soit la position jambes fléchies, ici à l'inférieur, évidemment. Soit vous placez corps tendu, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour les collaborateurs en entreprise, on est parfaitement dans la prévention des TMS, des troubles musculo-squelettiques. On passe de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On serre les fesses. Et 10. Et on repose. On enchaîne sur le mouvement suivant de suite. Allez, position alignée, bassin, cheville, épaule. Et là, on va monter cheville flex vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe plus ou moins serrée. Si c'est trop dur pour vous, vous serrez la jambe d'appui. Et ça sera beaucoup plus facile. 1. On va effleurer le sol. 2. On retient bien le retour. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche à nouveau. Et on se relève. On va se mettre en position debout. On prépare les fentes avant. Attention, position cette fois-ci dynamique, on va le plus loin possible. J'aime bien que ce soit aligné. Quand c'est de travers, j'aime pas du tout. Voilà, on y va. Alors flexion, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, on change à chaque fois cette fois-ci. 5, 6, on va chercher le plus loin possible devant. 7, et on repousse. 8, on repousse. 9, et on repousse. Et 10, on descend et on repousse. Ok, maintenant on va travailler sur les hanches. On se met en position de gainage. Ici. Voilà, et là on va monter, descendre le bassin. 2, allez, 3, 4. On ne descend pas plus bas que l'alignement épaule, hanche, cheville. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et demi, 10 trois quarts et 10. On passe sur le côté. Vous allez me haïr à force. C'est le but recherché. Alors sur le côté, soit sur la jambe ici fléchie, soit jambe tendue. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, on repousse avec l'épaule, le sol, 5, pardon, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 10, vous pouvez faire 5 sans problème. Donc à vous de régler en fonction de vos capacités. Allez, on descend, on monte. 1, 2, 3, 4, 5,
Et 10, on passe sur le dos tout de suite. Ici, allez, on aligne tout ça, on monte le bassin, on descend. 1, 2, rétroversion du bassin. 3, on décambre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on passe à l'autre jambe. Allez, 1, 2, ouais, c'est chiant, je sais. 3, j'entends des voix. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on passe debout tout de suite. Ça permet d'enchaîner, le fait de travailler des parties de corps différentes. Allez, on se met sur une jambe. Jambe tendue derrière, on gagne bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Fermez bien le bassin. 6, 7, 8, 9. Hop là, ça bouge. 9,5, 9, 3 quarts, 9, 55. Et 10, et on change de jambe, on enchaîne. Allez, 1, 2, 3, 4, montez bien la jambe arrière à l'horizontale. 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et on relâche. Allez, on passe au petit Superman, ou plutôt Wonder Woman, mesdames. Le Wonder Woman, alors je ne vais pas faire sur le tapis parce que ça m'a joué des tours tout à l'heure. Donc on est soit ici, du même côté, on marque la position à chaque fois, soit corps tendu. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, on change, on garde le gainage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on se met à genoux, on relâche le dos, voilà, doucement, on inspire, on souffle et on change ensuite pour l'exercice suivant. Qui sera le travail de coup de genou. Coup de genou, c'est pas un coup de genou, c'est un coude et un genou qui vont se rejoindre. Donc soit ici, soit ici, soit corps tendu. C'est parti. 1, 2, on étire bien vers le haut. 3, on va chercher loin. 4, 5, une inspiration à chaque fois. 6, 7, on serre les fesses à l'arrivée, là, 8, 9, 10, et on relâche, on passe de l'autre côté, vous voyez que ça passe bien, là, les 10, hein, sans problème, allez, soit genou fléchi, soit corps tendu, soit l'otari, et on y va, on aligne tout ça, 1, 2, on serre les fessiers, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, corps tendu, on maintient et on relâche. Ok, alors maintenant on va passer à la terreur, c'est la position sur le dos et sur le ventre, toujours avec un changement de direction, on enchaîne direct, montée de bassin, on ferme et on se maintient ici de face. On revient sur la position initiale et on part avec l'autre jambe. Allez, 1, 2, on reste en gainage, on revient, 3, 4, on reste en gainage, on revient, 5, gainage, on revient, 6, 7, 8, gainage, on reste, allez,
On revient. 9. Gainage, on reste. On revient. Montée de bassin, on passe la jambe. Gainage, on reste. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repoussez les épaules. 8, 9 et 10. Ok, bravo, bravo. Le deuxième tour est maintenant terminé. On va faire une récup. Et après, en fonction du temps, on fera le circuit. Il y a un petit circuit toujours. Pour bien s'amuser à la fin de la séance. Allez, je vous laisse récupérer, boire une gorgée, c'est bien mérité. Ces exercices-là sont essentiels pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La course, des trucs, des machins. Si vous ne retravaillez pas les fondations, les bases, ça, là, on est vraiment sur... Je parlais de prévention des troubles musculo-squelettiques, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs ne travaillent pas ces petits exercices. Qui sont hyper importants autant dans le sport de haut niveau que auprès de tout le monde. Et donc là, on est vraiment sur de la prévention, mais en plus du renforcement sur des muscles fixateurs qui donnent une posture aussi, une posture au quotidien, au travail, qui est inégalée, j'ai l'intention de le dire, et aussi avec tout ce qui est proprioception et équilibre qui se rajoute. Voilà, donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi, je viens de commencer le sport il y a 2 ans. Et donc vous voyez, ça se passe pas si mal. Moi, j'ai progressé en 2 ans. petite lagounette. Allez, on récupère. Et on récupère à nouveau. Bon, Franck est colonel des armées, donc il est aux commémorations du 8 mai. Mais on lui fera passer la petite vidéo, Franck Guillermier, qui a organisé un petit truc là sympa pour Stéphanie et moi. Donc on vous remercie, on le remercie. Et c'est un petit clin d'œil parce que Franck est motard. C'est un motard passionné, autant que moi d'ailleurs. Et voilà, c'est le petit. Mon petit casque de compétition Superbike de 91 à 95 où j'ai écumé tous les circuits de France en vitesse avec mes différentes motos et les différentes chutes, des grandes chutes énormes. Mais vous voyez, si on s'entretient, ben finalement, c'est pas si mal. Ok, on va travailler sur le circuit maintenant. Il y aura 3 blocs de 3 exercices. Ça va démarrer tout de suite avec Lucie. Qui est ici de retour sur des exercices de 20 secondes. Voilà, avec une récup de 15 secondes. Ok ? Donc, je reprends mon petit programme qui est ici. Il y aura un travail de flexion de jambe, mais sauté. D'accord ? Sur une jambe, on reste sur une jambe, après on passera à l'autre. Il y aura un travail abdominal de course interne parce qu'on est dans la dynamique gainage. Donc, on mettra les jambes à la verticale une fois qu'on sera sur le dos. Et on va travailler sur les 10 derniers centimètres, ça s'appelle la course interne sur la partie paramédicale. Après, on va travailler coup de genou, plus dynamique, en fente, position de fente. Après, on va travailler les fentes droite-gauche, on va enchaîner aussi. Les rotateurs en abdos, les écarts serrés, flexion sautée à nouveau, jambe droite-gauche. Rameur, Superman, Wonder Woman, etc. Bien. Alors, on va repartir là-dessus avec la fameuse position sur une jambe ici, mais cette fois-ci sautée. Ça démarre exactement dans 10 secondes, mesdames et messieurs. Ça va démarrer, on commence à se mettre dedans. 3, 2, 1, go. Allez, ceux qui n'arrivent pas à sauter, vous restez statique ou juste flexion, extension, ça suffira. Moi, j'essaye de montrer la phase ultime, mais c'est pas obligatoire, évidemment. 3, 2, 1, stop. On relâche. 15 secondes, on va passer à la deuxième jambe. Parce que la première, elle a doublé de volume. On va la laisser tranquille pour l'instant. 1, go. Allez. Toujours stabilité, interdit de poser la deuxième jambe. Interdit de poser la deuxième jambe, j'ai dit.
ça va m'arriver. L'important, c'est l'amorti. 3, 2, 1, stop. On relâche. On prend la petite serviette. Voilà, on se met en position sur le bas du dos et jambes tendues ici. On commence déjà à gainer, c'est parti. Et au signal, on va monter doucement. Go. Allez, c'est parti. On monte les jambes au maximum, on garde le buste le plus vers le haut possible. Three, two, one, stop. Et on relâche. Maintenant, on se met en position coup de genou. Rappelez-vous, coup de genou, c'est ici, là. On se met d'abord en position de gainage. On attend Lucie. On est déjà prêt. Three, two, one, go. Allez, c'est parti. On en fait le plus possible. Gagne le bassin, les abdos, les fessiers. 3, 2, 1, stop. On relâche à nouveau. Et on va passer au deuxième bloc déjà. Allez, on reprend l'exercice de tout à l'heure. Fente avant, mais par contre, on va accélérer. On en fait le maximum. 3, ici. 2, allez, 1, c'est parti. Go. On passe toujours à la position verticale. Vous pouvez compter sur 20 secondes combien vous en faites. Toujours le corps droit. On regarde devant. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Ok, on va passer maintenant au rotateur abdos. Là, avec la serviette ici. C'est parti, c'est à vous. Si c'est trop compliqué, vous posez une jambe au sol ici. C'est bon, easy. Ou les jambes en l'air. Et on relâche. Rotateur, maintenant, ça va être position de planche. À nouveau, ici. Écart serré, là. Sans bouger le bassin. 3, 2, position. 1, go. Allez, c'est parti. On est obligé de gainer. Stop. Ça, c'est vraiment un gainage dynamique. Voire très dynamique. On va passer ensuite à la position debout. Rappelez-vous, ici. 1, go. Allez. Et on accélère. Ça, on l'a fait. Réchauffement. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Stop. On passe cette fois-ci au rameur, c'est le dernier bloc. Allez. Jambes, bras tendus, jambes fléchies. 1, go. Go. C'est Lucie qui dit. Allez, jambes tendues à l'arrivée. Là. Là. 3, 2, 1. On relâche. On va passer ensuite au mouvement qui tue. Rappelez-vous, ici, là, là, et on revient. Et on passe de l'autre côté. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Go. Ok, on relâche, le circuit est terminé,
La séance est presque terminée. Parce qu'il reste le stretching, qui est aussi important que la séance. D'après les études du professeur Mercier qu'on écoute à la lettre, dans le studio 3S, le professeur qui contrôle, qui observe et qui est à l'affût de toute problématique en lien avec la posture, les exercices et puis la composition des séances aussi. Je vous laisse récupérer, boire une petite gorgée et puis on démarre de suite les étirements. Voilà. Alors, les petits étirements, on va reprendre la chaise. Si vous avez une chaise, sinon vous le faites au sol. C'est juste la posture qu'il faut respecter. Et surtout la partie musculaire concernée. Sachant qu'on essaie chaque fois de travailler toute la chaîne. Donc, j'ai rangé la chaise pour rien, évidemment. Voilà. On va se mettre sur une position latérale dans un premier temps parce que c'est confortable, ça permet de récupérer, ça permet d'inspirer, de souffler. J'ouvre un petit peu la fenêtre. Voilà, donc j'ai entendu, très simple, très facile. Faites ces exercices au bureau, vraiment. Alors soit au bureau chez vous en télétravail ou au bureau carrément dans votre entreprise parce que voilà, c'est des choses qui permettent de débloquer. Débloquer la partie articulaire, mais aussi la partie mentale, enthousiasme, etc., au travers de la respiration. Donc on va basculer le bassin vers le bas, ici, léger, tout léger, pour bien sentir le petit stretching qui vient ici sur les adducteurs, ce faisceau en tout cas des adducteurs. Et vous verrez qu'en fente, on travaille un autre faisceau des adducteurs, qui est un faisceau un peu plus antérieur. Donc on a parfois l'impression qu'en faisant ces étirements, on a étiré les adducteurs, ce n'est pas tout à fait le cas. On n'a pas tout fait en tout cas. On va ensuite venir ici avec le bras opposé, enrouler le dessus de la tête et on va essayer de descendre. Voilà, un exercice que je faisais beaucoup faire aussi aux équipes de France de patinage artistique. Alors, je vous rassure, je n'ai jamais fait de patinage artistique, mais je crée les programmes de préparation physique avec des gens incroyables, vraiment formidables, un très beau souvenir. Et donc cet étirement faisait partie des protocoles mis en place. Parce que sans protocole, on ne fait pas et on fait mal. Et donc il fallait organiser tout ça. On se met ensuite dans l'axe, toujours sur le même principe. On descend les fesses légèrement en arrière. Et on va chercher devant avant de descendre le buste vers l'avant. Et ensuite, on relâche la tête vers le bas. Si vous êtes en déséquilibre, ben vous prenez un appui ici. Si vous n'avez pas de vélo, vous prenez autre chose. Voilà, on essaie de gagner du terrain, là on est chaud. Voilà, pour gagner du terrain sur l'étirement, pas forcément sur l'amplitude, mais sur l'étirement propre, mettez votre plan des pieds carrément dans le dossier du siège où vous avez mis une serviette, si c'est un siège Louis XVI, évidemment, vous allez abîmer la tapisserie. Mais voilà, une fois que vous avez mis la serviette, utilisez bien votre siège. Vous voyez qu'avec la cheville flex, ça tire beaucoup plus au niveau du creux poplité. Le creux poplité est ici, les enfants. Ça vous permet de réviser l'anatomie. Et on descend au maximum en soufflant. Ok, on se redresse un petit peu. On expire bien fort parce qu'on est encore sous le coup du circuit. Et on va souffler, relâcher à nouveau. Là, sans appuyer sur le genou, mais juste avec une position confortable, et on descend à nouveau en soufflant et en relâchant la nuque. Ok, on va ensuite fléchir à nouveau, on va étirer d'autres faisceaux des adducteurs qui ne sont pas forcément les mêmes que sur la position tout à l'heure en latéral. Voilà. Si vous êtes en déséquilibre, prenez un appui, tout simplement. Et là, on va venir déverrouiller cette fois-ci le bassin, le haut et le bas, avec une rotation du buste pratiquement à 45 degrés. Et on relâche à nouveau. Alors maintenant, on va passer sur l'autre jambe, évidemment, toujours avec
j'allais dire la même serviette, la même chaise. La chaise qui nous sert aussi pour les dips et puis aussi pour le renforcement musculaire. C'est pas un gros mot de faire du renforcement musculaire ou de la musculation sur une chaise. On va démarrer sur l'étirement latéral. Donc, pour ne pas vous tourner le dos, je me mets sur le côté. Voilà. Et là, même chose, je bascule le bassin vers le bas, surtout cette partie, l'aile gauche du bassin ici. Voilà, je vais ensuite basculer sur un plan sagittal, c'est-à-dire vertical, avec le bras devant et pas en appui ici. Voilà, coude dessus pour inspirer, souffler et gagner un petit peu de terrain sur le côté. Ce qui, entre nous, m'évitera d'avoir une nouvelle élongation en faisant du ping-pong, comme la dernière fois, où je m'étais fait remplacer par Adrien, notre régisseur. Très compétent, Adrien, si tu nous regardes, si tu ne dors pas. Voilà, on relâche. Grande inspiration, grosse expiration, il y a la tête qui tourne un petit peu, mais c'est très bien comme ça. Et là, on va se mettre, j'ai entendu, le pied calé entre l'assise et le dossier. Et là, on va descendre à nouveau. Ne prenez pas ma souplesse corporelle comme un critère absolu. Bien au contraire. Je suis un petit peu raide, mais comment vous dire, ça progresse grâce à vous. On descend un petit peu plus, on relâche la nuque. Allez, inspiration et on descend. Ok, on relâche à nouveau. On va passer ensuite à la fente avant. Donc je mets la chaise ici pour pas vous tourner le dos. Donc à nouveau fente avant ici. Voilà, on laisse mourir le bassin sur la gravité, poids de corps. Et ensuite on vient ici déverrouiller en se redressant. Toujours en inspirant, en soufflant pour gagner du terrain sur l'étirement. Voilà. Ce sont des étirements très intéressants aussi pour les footballeurs avec qui j'ai collaboré, notamment au LOSC, où il y a beaucoup de blessures au niveau des adducteurs et aussi les blessures abdominales. Et donc ces exercices permettent de garder, conserver, voire d'augmenter l'amplitude articulaire et la souplesse de la chaîne musculaire qui, à force de s'entraîner, se rétracte. Et c'est ça qui crée des blessures, élongations, claquages, etc. Ok, on relâche à nouveau. Maintenant, on va faire un petit enroulement au niveau du dos, toujours à bonne distance de la chaise. On prend à peu près la longueur d'un pied et on se met devant. Et là, on va descendre à nouveau doucement. Voilà, le haut du dos, le bas du dos. Et ensuite, on va poser les mains sur l'assise, fléchir les bras pour descendre encore un peu plus. On se redresse en inspirant doucement. Et on souffle et là on va essayer de gagner du terrain. N'hésitez pas, vous êtes chaud. Les muscles et les tendons sont chauds. Et on se redresse à nouveau. Grosse inspiration. Et on souffle à nouveau. Et on reste. Un petit peu de méditation dans cette posture est toujours intéressante, voire productive. On fléchit, on s'accroupit, on redresse le dos, on replace le dos et on se redresse et il reste deux exercices d'étirement au sol cette fois-ci. Vous les connaissez. Donc un premier exercice où on va croiser les jambes, placer la main à l'intérieur du creux poplité, à nouveau ici, et on va rejoindre l'avant du tibia en croisant les mains. Voilà, c'est une posture qui se maintient toute seule mécaniquement. Les bras sont tendus, relâchés. Le fait de croiser les doigts, ça permet de tout maintenir sans raideur. Et puis en même temps, on étire le moyen fessier, voire une bonne partie des fessiers et du début des ischio-jambiers. Ce
sont les muscles derrière les cuisses dans cette posture. Et c'est un étirement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour étirer ces fameux faisceaux du fessier, en particulier le moyen fessier. Voilà, le dos est à plat, c'est agréable, c'est sympa. On est dans une position confortable, sauf si c'est la première fois que vous le faites. Mais ça devrait bien se passer, en particulier pour la suite. On décroise à nouveau. Alors ici, on dit on décambre, on décroise, on déplie. Et là, on vient croiser de l'autre côté. On passe dans le creux et on va chercher le plus loin possible les doigts croisés. Et on se détend, on se relâche. Vous voyez que ça permet aussi d'étirer une partie du bas du dos, les lombaires, dans une posture complètement atypique. Mais pour aller chercher le stretching de toutes les parties du corps, il faut passer par des phases un petit peu atypiques. Sinon, c'est la blessure assurée, en particulier dans le sport de haut niveau. Et c'est pour ça que je vous fais part de mon expérience du sport de haut niveau auprès de tout le monde. Donc, je suis devenu entraîneur national des sportifs ordinaires. Allez, on fléchit la jambe ici. On s'allonge carrément sur le dos et on vient ici ramener le genou sur le côté avec un bras tendu à l'opposé. En regardant le bras tendu, on inspire très profondément et on relâche en descendant le genou vers le bas. Petit moment de méditation. On relâche le bas du dos. On a les yeux fermés. On revient dos à plat. On tend la jambe qui était fléchie. On fléchit la jambe qui était tendue. On vient à nouveau avec les trois doigts, les trois majeurs, ici dans le creux de la rotule. Ça fait une petite poignée qui permet aussi de relâcher le bras. Et on vient du côté opposé. Grosse inspiration profonde. Et on relâche tout en descendant le genou le plus loin possible, mais en relâchant bien le bas du dos et le bassin. Les yeux fermés. On relâche tout, même si ça fait un petit peu mal. On revient à nouveau sur le dos. On fléchit les deux jambes. Ici, on replace le dos bien à plat, là, et ensuite on vient à genoux. Ici, dernier étirement, on monte les bras, paume des mains vers le plafond. On regarde les doigts avec la tête, on est tout en extension, on vient chercher derrière ici, on va avancer le bassin sans creuser le dos. On pousse vers le plafond, alors moi j'y arriverai pas, il est un peu haut. Mais si vous arrivez à toucher le plafond dans cette position, bah écoutez, on se retrouvera pour boire le champagne au déconfinement. Et on pousse, on pousse, on pousse et on relâche à nouveau. Voilà, donc vous pouvez maintenant comparer votre ressenti avant la séance et après la séance. Même si vous avez mal physiquement, mentalement, ça change tout, vraiment. Et pour les collaborateurs en entreprise, je peux vous dire que le sport change vraiment tout en termes d'enthousiasme, en termes d'innovation, en termes de relation à l'autre, du lien social, évidemment avec vous, qui que ce soit, les retraités, les jeunes, les enfants, les étudiants, les petits et les grands. Donc j'étais ravi de vous retrouver en ce vendredi pour cette séance de sport. Je vous retrouverai dimanche à 11h pour la fameuse, cette fois-ci c'est pas une erreur, séance de step à dominante step. Il n'y aura pas que ça. Si vous n'avez pas de step, pas d'escalier, c'est pas un souci, vous ferez ça au sol sans problème. Avec plaisir, donc dimanche, merci beaucoup à toutes et à tous, y compris évidemment le groupe de Franck Viernier, incroyable. Et je vous retrouverai dimanche à 11h, très bon vendredi du 8 mai, la fête de la commémoration de la victoire de la dernière guerre mondiale de 1945.